J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est le vendredi 18 décembre. Aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous vloguer ma journée. C'est vrai que je ne vous fais pas souvent de vlog. Je me dis que mes journées sont pas hyper intéressantes, mais là j'ai reçu des trucs hyper sympas, notamment j'ai reçu pas mal de colis. Donc je m'étais dit pourquoi pas vous faire un unboxing voilà, dans ce vlog. J'ai reçu aussi un colis de la part de Kitok, donc voilà, de faire des recettes avec vous. Je trouvais l'idée sympa. Ou vous avez vu, ce matin je me suis levée, j'ai sorti mon petit toutou. On s'est fait une bonne balade dans la nature, ça fait vraiment trop du bien dès le matin. Des fois on n'a pas trop envie, mais après ça fait vraiment un bien fou. Donc voilà, on a fait ça, j'ai fait la petite promenade de petit toutou. Après j'ai déjeuné et j'ai fait mon yoga que je fais vraiment tous les matins et mon sport. Donc voilà, vous avez vu un peu tout ça. Et du coup j'ai pris ma douche, je me suis habillée et là je vais me maquiller. Donc je vais vous montrer un peu ce que je mets en ce moment. Du coup là en premier je vais mettre, donc c'est dans un petit format pchit, moi j'appelle ça, c'est de l'eau de rose, donc de l'eau florale de rose, et je vais me le sprayer sur le visage. Et ça fait vraiment trop de bien, ça enlève le calcaire sur la peau. Mon baume pour les lèvres, donc en ce moment j'utilise celui-ci, donc c'est de la marque Biphase. Il est pas mal, donc voilà, c'est un petit stick à lèvres vraiment tout simple. Et moi j'ai tout temps les lèvres versées, que ce soit l'été comme l'hiver, donc je fais une grande consommation de stick à lèvres. Du coup après je vais utiliser le sérum, donc un soin liquide de chez Yves Rocher. Voilà, donc je vais faire ça. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, on s'approche de Noël. Moi je vous avoue que j'ai, sur le calendrier j'ai vu, je me suis dit la semaine prochaine on est Noël, je me suis dit mon Dieu qu'est-ce que ça passe vite, je sais pas pour vous, mais à chaque fois, chaque année je me retrouve à Noël et je me dis que vraiment le temps passe trop vite, surtout durant cette période je trouve. Bon en ce moment vous allez me dire le temps passe pas trop vite avec tout ce qui nous arrive,
Mais je suis contente parce que j'ai fini vraiment tous mes cadeaux. Cette année, je me suis pris vraiment hyper en avance. Du coup, j'ai tous mes cadeaux. Alors, est-ce que c'est le corona et cette situation qui... Voilà, j'avais envie un peu de penser aussi aux cadeaux et à des trucs plus sympas et plus fun. Donc voilà, j'ai mis mon sérum. Après, je vais mettre mon contour des yeux. Donc, j'utilise celui-ci de chez Bobbi Brown. Il est pas mal, mais je vous avoue qu'il est super cher, je trouve, comparé à... Enfin, au produit, quoi. Bon, vous allez me dire, vous payez la marque. Mais il y en a d'autres bien moins chers. Et celui-là, il est juste hydratant. Donc c'est juste un hydratant. Donc si vous voulez quelque chose, un peu un anti-cerne qui fasse sur les rides, je pense que voilà, c'est pas adapté. Mais là, je le mets juste avant le maquillage. Le soir, j'en mets un autre de la Provençale qui fait, et qui fait lui anti-rides. Donc voilà, au moins comme ça, j'alterne. Et puis j'ai l'aspect anti-rides le soir pour mes cernes. Donc je mets toujours en bas et moi je remonte pour hydrater cette zone aussi. Je vous avais fait ma routine, je pense qu'elle sera sortie. Je ne sais pas si elle sera sortie déjà. Si elle sera sortie, je vous la mettrai juste ici. C'est ma Unready With Me Night Routine. Donc tous les soins que je fais, comment je me démaquille. Donc je vous la mettrai si je l'ai sortie d'ici là. Après, ensuite, donc j'utilise cette crème de chez Estée Lauder. Donc c'était celle-ci que j'avais reçue en partenariat. J'avais reçu ça et le Bobbi Brown pour les yeux en partenariat. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Elle sent super bon. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Et elle sent le frais, je sais pas. Elle hydrate vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très très hydratante. Il n'en faut pas beaucoup non plus. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Alors elle est super chère, je trouve, pour une crème. Mais elle est hyper efficace. Et puis le packaging, il est super beau, je trouve. Puis il est assez lourd, hein, franchement, le capuchon. Du coup, hop, je mets ma crème. Et du coup, ouais, je vous disais, les cadeaux de Noël cette année, je me suis pris. Bon, ça va pas être facile pour parler. Je m'y suis pris super en avance. Il reste plus que la nourriture, un peu. On va faire un peu aider la belle famille en faisant un peu. Moi, je vais faire sûrement deux bûches, donc je vous filmerai ça. Je pense que ça peut être sympa. Je vous filmerai peut-être sur le 24, le 25. Nous, en fait, on va le faire sur plusieurs jours. On va faire donc le réveillon le 24 au soir, le 25 à midi, on fait un repas de Noël, et le 26, on refait encore à midi un repas de Noël parce que la famille est grande et tout le monde peut pas venir le 25. Donc voilà, on fait en plusieurs étapes, ce qui est pas plus mal parce que franchement on a des cadeaux tous les jours, c'est trop trop bien. Et du coup voilà, je vais faire une bûche. Donc je vais faire sûrement une mascarpone framboise, et l'autre j'aimerais bien faire chocolat poire avec un peu des éclats de d'amandes ou de noisettes. Donc je vous filmerai ça. Je sais pas si la vidéo sera super intéressante, je vous montrerai bien sûr pas ma famille. Voilà, c'est quelque chose que je veux garder privé pour moi. Et je vous montrerai peut-être 2-3 trucs, voilà, comme ça, au moins ça fera un petit vlog sympa. Et je me dis que voilà, ça sera un truc sympa à regarder en ce moment. Et après Noël, vous aurez tout le loisir de regarder mes vidéos. Donc voilà, c'était cette année, je vais tester. Donc voilà, je verrai si ça me plaît et si ça vous plaît aussi. Du coup, ensuite. Je vais faire tout ça. Du coup, je vais mettre de l'anti-cerne parce que je fais pareil, je mets toujours de l'anti-cerne sur mes paupières pour préparer avant le maquillage. Et aujourd'hui, il fait vraiment un temps pourri à Toulouse. Il fait de la brume, donc j'espère que ça va se lever parce que pour la luminosité, c'est vraiment pas terrible. Et bah du coup, j'espère que bah, ça vous plaît de voir un vlog. Moi, j'avoue que j'adore regarder des vlogs, surtout en ce moment il y a plein de vlogmas et bon, il y en a vraiment beaucoup. J'avoue que je suis pas toutes les youtubeuses que je suis, mais je suis énormément Elsa Makeup si vous ne connaissez pas, mais allez vous abonner direct, foncez, parce qu'elle fait un contenu vraiment super et c'est la seule que je suis hyper assidûment pendant le mois de décembre pour les vlogmas. Donc si vous connaissez pas les vlogmas, c'est des vlogs que vous faites à Noël, donc ça s'appelle les vlogmas. Et du coup je trouve super sympa parce qu'on a des vidéos tous les jours, donc c'est trop trop bien. En plus après il va y avoir les vacances, donc on a le temps un peu de regarder toutes les vidéos. Mais vraiment c'est une fille que j'adore, je la trouve hyper spontanée, enfin je l'adore avec ça,
sa mère et son frère. Enfin, j'adore cette fille. Elle est vraiment trop trop bien. Son univers aussi, j'adore. Et dès qu'elle fait des recettes à chaque fois, moi j'ai trop trop faim, ça donne trop envie. Donc voilà, Elsa Beckham, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Du coup là, je vais faire mes sourcils. Bon, c'est toujours pareil, hein. Je vais me mettre ici parce que j'ai mon petit miroir qui est juste ici. Mais du coup, ouais, je vous disais, aujourd'hui, il fait vraiment, vraiment pas beau. Il fait brumeux, c'est oh, pas terrible. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore l'été, je suis une fille de l'été. Et l'hiver, je déprime vraiment. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vous ferai sûrement d'autres vlogs, mais je me dis que des fois, c'est pas hyper intéressant. Je fais pas grand-chose non plus. Je suis très, très, très souvent sur l'ordi à faire du montage vidéo ou d'autres choses, ou de la création de contenu. Mais là, je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa. J'ai plein de, comme je le disais, j'ai plein de colis que j'ai reçus en ce moment. Je suis super contente parce que j'ai vraiment pas mal de partenariats. Merci aux marques qui me contactent parce que vraiment ça me fait super plaisir et les marques me font confiance, donc je suis vraiment très très contente. Moi ça me fait énormément plaisir de vous partager du contenu. Moi ça me fait du contenu et puis les marques aussi ça les fait connaître, donc voilà, je suis trop 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 contente en ce moment. Merci beaucoup les marques de me contacter, ça me fait trop plaisir. Du coup ce que je vais faire, donc je vais utiliser ma palette chouchoute de Too Faced, donc c'est celle-ci. Hello, je vous retrouve, je me suis maquillée, je me suis coiffée. Je voulais vous présenter, je suis maintenant ambassadrice de la marque TikTok. Donc un grand grand merci à eux de m'avoir fait confiance. Et je suis trop contente que mes vidéos l'auront plu et les photos aussi. Donc si vous ne connaissez pas TikTok, je vous mettrai une vidéo bien détaillée juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, je vous explique vraiment en détail ce que c'est et comment commander vos paniers. Donc c'est des paniers recettes, donc vous recevez, vous choisissez votre recette, vous recevez vos ingrédients, vous avez tout pour faire la recette, c'est vraiment clé en main, c'est vraiment clé en main, c'est ça que j'adore dans TikTok et je suis encore plus, enfin... J'ai été séduite la première fois, je suis toujours d'autant plus séduite, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Et en cette période où on n'a pas trop envie de faire les magasins, je trouve que c'est vraiment une super alternative et que ça nous fasse manger des produits de saison, des produits frais, des produits bio, des produits de qualité. Là, juste ici, j'ai un code promo qui est super intéressant, qui vous offre moins 20 euros des 57 euros d'achat sur vos deux premières commandes. Donc c'est vraiment super super, c'est un super bon plan. Vous avez notamment les fêtes qui arrivent en ce moment et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils ont des menus hyper sympas. Donc voilà, pourquoi pas commander votre repas de Noël ou votre repas de réveillon sur TikTok. Comme ça, vous utilisez mon code promo et vous aurez beaucoup beaucoup moins cher. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je me suis mise dans mon salon. Donc vous recevez votre carton. Hop, j'ai essayé de pas tout faire tomber. J'ai choisi les recettes. Donc j'ai pris des boulettes de viande. Donc je vous les mettrai juste ici qui a l'air trop trop bonne. Donc boulettes à la suédoise. J'ai pris ça. Voilà, j'ai vu mon raclette. Voilà, j'étais partie. Voilà, ils m'ont eu avec ça. J'adore. Et ça a l'air vraiment trop trop bon. Franchement, le visuel déjà, voilà, ça donne trop envie. Du coup, vous recevez vos fiches recettes, vous recevez vos cartons, votre carton avec tout. Donc, vous avez là deux steaks hachés charolais, donc de la très bonne qualité. Vous avez vos deux tranches de jambon, donc pareil, super bonne qualité. Du coup, de la salade. Ensuite, des patates. Je vais pas vous montrer, mais il y a plusieurs patates. Un poireau, j'allais dire poivron, je sais pas pourquoi. Et on a reçu aussi avec, du coup vous avez la crème fraîche, je perds ma veste, je me rhabille quand même. Hein. La crème fraîche, vous avez la sauce soja, j'adore les petits contenants à chaque fois, je trouve ça trop trop bien, on peut les réutiliser, mais moi je les garde pour mes sauces salades. Et vous avez sûrement le fromage, voilà, raclette. Bah trop trop bon. Cette période là, heureusement que je fais du sport parce que les raclettes et tout, c'est un peu compliqué en ce moment. Bah, du coup j'ai pris en plus donc du pain et des clémentines. Donc vous en avez trois comme ceci. Ah si, il veut jouer.
Vous en avez trois comme ceci. On en a mangé un hier. Il est trop trop bon. On le passe au four. Donc c'est ça. Ah bah oui, mais Austin, c'est pas très pratique. 10 à 12 minutes à 210. Ouais, il vous fait des bisous. Au four, et il était trop trop bon. Ça fait vraiment un pain frais, comme si vous sortiez de chez le boulanger. Et du coup, moi avec, j'ai pris des clémentines et des clémentines bio. Donc c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. C'est qu'ils ont vraiment des produits de qualité et... Hop, ça me grattait. Des produits de qualité. Austin, ah bah, il vous a fait bouger. Voilà. C'est des produits de qualité et bio. Et vraiment, je suis jamais déçue. Vous avez de temps en temps... Voilà, là, cette fois-ci, c'était des clémentines. Il est en train de se gratter, il fait du bruit. Ah bah voilà. Voilà. Me disais bien aussi, hein, une petite commère, en plus de la nourriture, là, t'es gâtée, hein. Oui, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Comment je filme, moi, maintenant? Tu prends toute la place, hein? Tu prends toute la place. Et du coup, voilà, je vous disais que vraiment, il y a des... Oh, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choix, et les paniers, vous pouvez les commander, donc c'est un abonnement à la semaine. Bien sûr, il est là. C'est un abonnement à la semaine et vous pouvez mettre en pause. Hein, donc vous n'avez pas du tout de... C'est pas un abonnement qui est hyper agressif. Il faut acheter tout le temps et voilà, il faut commander tout le temps. Non, non, vous commandez quand vous voulez. On va faire les petites boulettes. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, la recette. Mais ça a l'air trop trop bon. En plus, j'ai trop trop faim. J'ai bien fait mon sport ce matin. J'ai beau manger le matin... Et je crève la dalle à midi. Donc voilà, je vais ranger tout mon bordel. Et puis bah, c'est parti, je vais prendre avec moi en cuisine. On va voir si c'est bon, mais j'en doute pas que c'est trop trop bon. Je vous retrouve devant mon canapé. J'ai reçu plusieurs colis dans la semaine, donc je vais vous les montrer. Je trouve ça sympa, moi j'aime bien regarder les unboxings. Donc il y a des commandes que j'ai faites moi et il y a une commande que j'ai reçue de la part d'une marque. Du coup, je vais commencer. Alors j'ai regardé un peu mais j'ai pas déballé, je vous attendais pour pouvoir faire ça en vidéo avec vous. Alors du coup, ah oui, ça c'est Yves Rocher. Donc en premier, j'ai passé commande sur le site de Yves Rocher parce que la dernière fois, je suis passée devant le magasin, il y avait une foule pas possible et ça m'aurait étonné qu'il vienne pas voir les petits colis. Tu viens voir les colis? C'est un curieux, donc il vient voir. Oui, il vient voir les colis à chaque fois et vous ne me voyez plus parce que j'ai pas un petit chien mais un berger blanc suisse et ils sont assez gros. Du coup, voilà, j'ai passé commande parce que la dernière fois que je suis allée, voilà, il y avait du monde que j'ai commandé. Donc, j'ai commandé, donc c'était pour ça que je voulais y aller. Donc, c'est l'anti-cerne. Je vais vous rapprocher un petit peu. Vous voyez, peut-être un peu plus. Je sais pas si c'est mieux. Vous voyez les prises derrière, mais bon, on s'en fiche, hein, c'est la vraie vie. Du coup, voilà, je voulais y aller pour ça. Donc, c'est l'anti-cerne. J'en ai entendu parler sur Insta, donc je voulais le tester parce qu'ils mettent anti-cerne haute couvrance lumière. Donc voilà, à voir ce que ça vaut. Et il était en promo, en plus il y avait des bonnes promos sur Yves Rocher. Donc je vais voir un peu la couleur, ça va. Chaque fois, je sais pas si vous êtes comme moi, mais soit c'est trop foncé, soit c'est trop clair. Je m'améliore avec le temps, mais voilà, je vais faire un petit swatch. Oh, pas mal. Oh, super, je me suis améliorée avec le temps, j'ai ma couleur maintenant. Je sens, mais il sent rien. Vous entendez pas ce qu'il sent quelque chose. Ah, pas mal, la couvrance. Je sais pas si vous allez voir sur le dos de ma main. Mais ça matche pas mal, donc voilà, à tester. Je vous dirai ça sur Insta si jamais il est bien. Après, j'ai trouvé ça, alors par hasard. Donc c'est un élixir huile 100% végétal. Donc ça se présente comme ça. Alors moi, à savoir que j'ai les ongles dégueulasses, pas que je me ronge les ongles, mais vous savez les petites peaux que vous avez, moi j'ai les mains sèches, mais j'ai beau mettre de la crème, mais il y a des fois j'ai les mains sèches l'hiver. Vous voyez, j'ai pas les mains hyper impeccables, notamment, vous voyez, voilà, ici, c'est mon plus gros problème. Je n'arrive pas à garder des mains impeccables et j'ai trouvé ça. Donc c'est une huile pour les cuticules, je crois, si c'est ça,
pour les cuticules et du coup vous l'appliquez donc voilà. Ah oui, c'est ça. Ça sent quelque chose? Non, ça sent rien. Donc vous voyez, il y a un petit pinceau et vous le mettez sur votre doigt comme ça, après vous massez et du coup bah je m'étais dit bah c'est parfait pour moi, ça va m'hydrater en plus de la crème que je mets tous les soirs sur les mains. Donc voilà. Pareil, je vous dirai si ça marche ou si ça marche pas. Et après ensuite j'ai pris donc un gel douche. Donc c'est bain douche, donc c'est la gamme de Noël. Donc là c'est baie de minuit. Donc il se présente comme ça. A savoir que je suis pas hyper fan des saveurs de Noël, que ça soit orange ou cannelle. Je déteste la cannelle en plus, du coup je suis pas très épice. Mais celui-là, je l'ai senti en magasin, il sent trop trop bon. Il sent un peu les épices mais c'est en arrière-plan vraiment. Et il sent, ben, comme le nom l'indique, c'est des baies, donc berries. Ouais, ça sent la myrtille, la mûre, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'aime toujours autant. Ils ont fait toute une collection de Noël, cette gamme, et j'aime beaucoup. Et ça, je l'ai eu en cadeau du coup. Quand vous commandez sur internet, vous avez sûrement dû voir, vous avez souvent des cadeaux. Et là, bah, j'ai eu carrément un gel douche noix de coco. Donc c'est parfait parce que je pense que on est toutes pareilles. Enfin, si vous êtes comme moi, moi je suis fan des gels douche. Je sens, je peux pas m'empêcher. Ça sent trop trop bon. J'adore. Donc voilà, dans ma petite collection, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dans ma douche, il y a pas mal de gels douche. Et j'ai en plus une collection genre été, c'est plus mon œil, vous voyez. Et l'hiver, c'est un peu plus cocooning, des odeurs un peu plus chaudes. Celui-là, je vais vous le garder en dernier parce que il est trop trop bien. Du coup, là, c'était une commande sur le site Beauté Privée. Si vous ne connaissez pas Beauté Privée, je vous avais fait une vidéo, je la mettrai juste ici. J'avais fait un haul et je vous expliquais vraiment un peu le concept. Alors du coup, je vais commencer. Donc je me suis pris deux vernis, donc un comme ceci. Je pensais, je vous avoue que je pensais qu'il était un peu plus foncé. Je trouve que ça fait un peu plus été, vous voyez, je voulais un rouge pour l'hiver. Mais bon, il est très très bien. Donc c'est la marque Revlon, j'ai jamais testé. Et un que j'ai testé et que j'ai sur moi en ce moment, je l'ai repris parce que l'autre je l'ai viens juste de les terminer. Donc c'est les L'Oréal Paris, donc c'est ceux-là et ils sont vraiment super bien, je trouve que la tenue est vachement bien. Après donc j'ai pris de la gamme, donc de la marque Marie Lou Bio. Donc je voulais reprendre un masque parce que avec en ce moment avec le masque, je me prends plein de petits boutons juste en bas et je voulais un masque purifiant parce que j'avais plus du tout de masque en fait, je m'étais rendu compte que j'avais plus rien. Du coup j'ai pris bio, voilà, j'essaye de prendre bio comme je vous dis, des fois je me laisse tenter ou je prends pas bio, mais voilà, la plupart du temps j'essaie vraiment de maintenant de faire attention. Donc là c'était la marque, j'ai jamais testé, à l'argile verte et au floral de bleuet, donc pas mal. Donc il se présente comme ceci, pareil. Là, je me suis repris un gel douche, donc là je suis pareil hein, pour les gels douche. Love Beauty and Planet, donc celui-là je l'avais déjà à la rose et j'avais adoré l'odeur. Donc celui-là c'est huile de Neroli et jasmin blanc, donc voilà, cette gamme j'aime beaucoup aussi. Et le contenant, ben, il est pas mal grand. Oh, ça sent trop bon, ça sent fleuri mais un peu hiver, vous voyez, pas trop été. Alors ensuite ça c'est pour un cadeau de Noël. Du coup j'ai trouvé ça sur Beauté Privée, vous avez plein de coffrets pour Noël, donc n'hésitez pas même pour les anniversaires. Donc là c'est fil naturel, donc c'est un coffret, vous avez deux pinceaux, une éponge konjac et des carrés démaquillants. Donc voilà, je pense que ça va bien plaire à celle qui l'aura. J'ai trouvé ça vraiment pas cher et c'était vraiment bien et pas cher aussi, c'était à 12€ le petit coffret, donc voilà, ça permet de faire plaisir. Et ensuite j'ai repris un shampoing solide de la marque Nae. Alors j'ai déjà testé, j'en avais déjà un, j'ai testé et j'ai adoré, j'en ai repris un. Il fait vraiment, alors au début on a des a priori sur les shampoings solides, mais franchement testez parce que moi j'ai vraiment adoré. Peut-être il faut plus voilà, le faire un peu mousser, mais après c'est vraiment comme un shampoing normal, ça va mousser autant. Mais ils sont vachement bien, là c'était pour cheveux gras. Et j'ai jamais eu les cheveux aussi doux qu'avec ce shampoing. Alors je sais pas, voilà, la compo, c'est une compo bio. Et franchement, j'ai jamais eu les cheveux aussi doux qu'avec ce shampoing. Donc voilà, je suis passée maintenant, j'essaye de tout éliminer, les shampoings genre Elseve ou L'Oréal Paris, vous voyez, qui sont pas super compo pour les cheveux. Et du coup j'essaie de passer plus à des shampoings comme ça. Et franchement, essayez, vous me direz des nouvelles. Parce que moi j'ai vraiment eu les cheveux mais 10 fois plus doux, c'est un truc de fou.
que depuis que j'utilise les autres shampoings, donc vraiment à tester, dites-moi. Et du coup, on passe, donc ça c'est un partenariat, j'ai reçu ça gratuitement de la part, j'enlève, il y a un scotch, ça me dérange, de la part de la marque, donc merci encore à la team de m'avoir contacté pour découvrir ça, parce que franchement je suis tombée, c'est trop trop beau, je vais vous le montrer, donc ça s'appelle Box to Gift, donc c'est des box que vous pouvez personnaliser, et vous allez voir que la box est juste magnifique, franchement, merci encore, je vais le dire deux fois, mais merci encore à la team, parce que franchement, c'est une super découverte, et pour des cadeaux à vos mamans, à vos copines, à vos meilleures amies. De toute façon, je vous mettrai bien sûr toutes les infos, hop, j'ai ma petite tablette en dessous, je vous mettrai bien sûr toutes les infos pour vous dérouler la barre d'infos, parce que vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, vous recevez, je vais vous montrer parce que franchement, c'est trop beau, votre box. Donc, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais mettre sur, gravé sur la box, j'ai mis tout simplement mon prénom. Et du coup, vous pouvez tout personnaliser, hein, c'est vraiment super bien, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre dedans. Hop, et du coup voici le coffret, il est pas trop beau franchement, c'est magnifique, je vais garder la boîte vraiment parce que c'est magnifique. Du coup vous avez, je vais peut-être vous le mettre là, voilà, vous tirez le petit nœud, ça vous fait pas penser un peu à des trucs de luxe genre Yves Saint Laurent, moi ça me fait penser un peu à ça. Et j'ai oublié de vous dire, les prix sont vraiment, ah ça y est je deviens avec le halo là, je suis désolée pour la luminosité. Du coup, voilà. Alors, je l'avais déballé, mais je n'avais pas regardé bien en détail. Oh là, c'est trop trop beau, franchement. C'est genre fait pour moi. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, il y a une petite carte. Trop mignon. Du coup, ils ont mis un petit mot. Donc, Hello Elodie, voici un petit cadeau en avance pour Noël. Nous vous envoyons plein de good vibes pour cette fin d'année 2020 et que de la réussite, santé, amour pour 2020 et à l'infini. Aya et la team Box to Gift. Merci beaucoup, Aya. Je vous fais de gros bisous, ainsi que toute la team. Et du coup, ah oui, donc c'est un savon, je pense, qu'il doit avoir dedans. Et les produits sont vraiment super bien. Je vous invite vraiment à aller voir le site parce que franchement, c'est, je trouve que l'initiative est vachement bien et on en voit beaucoup de box beauté. Mais celle-là, je trouve qu'elle est un peu au-dessus. Elle est, fait un peu, elle fait vraiment luxe. Du coup, dedans, donc ça se présente comme ceci. C'est trop trop beau, franchement. J'ai pas envie de les enlever. Mon chien est juste là, il fait un roupillon. Du coup, là, on a un masque, je pense, oui, un masque pour le visage. C'est trop beau, trop bien. Extrait de miel nourrissant, donc voilà. Et l'autre, donc c'est pareil, perle de lactose, donc voilà, clarifiant et rayonnant. Donc normalement, les masques comme ça, japonais ou comme ça, sont vraiment super, donc je vais tester. Ensuite, on a, alors, oh my gum, chewing-gum, ah super, on a des petits chewing-gums qui sont super bons. Des produits super bien niveau compo et qui sont vegan et tout, j'ai regardé sur le site, vraiment, ils sont super. Et du coup, on a ça aussi, j'adore leur packaging, c'est juste magnifique, good vibes only. Donc là, ça doit être le savon que j'ai eu là, donc 100% naturel, vegan et cruelty free, c'est trop trop bien, franchement, c'est vachement bien ça. Oh, trop beau. Ils sentent bon. Ils sentent un peu le citron. Ils sont super bons. Vous voyez comment ça se... Hop. Voilà. Ça sent trop trop bon. Donc merci encore à la team parce que franchement c'est une super super box. Super super box. C'est beaucoup super. Mais je suis trop trop contente. Franchement c'est Noël avant l'heure. C'est magnifique. Et vraiment je le referai pour une idée de cadeau parce que c'est trop joli. Donc je vous mettrai bien sûr, comme je vous dis, le lien et leur Instagram en barre d'infos. Mais franchement, c'est pas trop trop beau. C'est magnifique. Je crois que je vais la déposer derrière. Ah, je vous ai pas montré mon petit sapin. Du coup, cette année, on a fait en hauteur. Parce que avec Monsieur Austin, on voulait pas tenter de faire quelque chose en bas, quoi. Un sapin traditionnel. Donc voilà, on a fait un petit sapin qu'on a trouvé à la foire fouille, je crois. On a trouvé à la foire fouille. Et du coup, voilà, j'ai fait ma petite déco, je vous ai montré un peu ce matin.
retrouve dans la salle de bain. Là, je vais me démaquiller. Donc, je vais attacher ma frange. Je vous ai pas trop filmé. J'espère que ça vous aura plu, ce petit vlog. Je vais vous filmer un peu ma soirée. Mais il va pas se passer grand chose. Je vais prendre un petit dessert. Et on va regarder la télé tranquille. Comme un vendredi soir, j'ai envie de vous dire. Et les recettes qui toquent, c'était trop bon. Les boulettes c'était super bon au bœuf, la petite sauce c'était tuerie et le repas aussi, la raclette c'était tuerie. Donc je vous recommande vraiment Kitok parce que franchement c'était super bon, on s'est régalé. Et du coup là je vais me démaquiller, je vais utiliser ça, donc c'est une huile de chez Medvita. Et maintenant j'utilise sur tout mon visage, même les yeux, parce que j'ai vu que mes yeux, j'étais pas du tout sensible. Donc voilà, petite update dans la vidéo que je vous avais fait beauté. Night routine, j'utilisais un autre eau micellaire, mais mes yeux franchement ils tolèrent super bien et ça enlève super bien le mascara en un coup. Vous allez voir que j'enlève vachement bien, donc voilà, petite update, ça c'est trop bien. Et j'en peux envoyer dans ma main et après je vais venir masser et après je vais ressembler à plus rien, je vais ressembler à un panda, mais ça marche trop bien et franchement je fais pas du tout de réaction, donc c'est vraiment génial et ça enlève tellement vite, tellement bien le mascara. Même le waterproof c'est trop bien. J'espère que vous, votre journée s'est bien passée, trop bien, ça enlève 10 fois mieux que mon truc micellaire là, que j'utilisais de Garnier. Je vous retrouve après, donc je vais me prendre, généralement je me prends une petite clémentine et un thé, enfin une tisane devant la télé, donc je vous retrouverai sûrement devant la télé.